Kondazongi basambwe mukondazongi bandogi basambwe mukondazongi mboka banguna basambwe Jeudi 8 août 2024. Chers internautes, bienvenue. Karibou. Kamwasi, Moutounabino Bolingara trop. Bon, babo y a rappé. Bon, babo y a raka, c'est normal. Ils ont possible de convaincre Binonioso. Ils ont possible de Binonioso Bosse Pedanangai. Et ainsi va la vie. Merci en tout cas, Boya Malamou, na émission Nabiso Yalilo. Lélo jeudi, lobby n'a pas suivi nos programmes depuis avant mardi, donc depuis week-end passé. L'engeni ni programme et que vous allez la naïb. Ce qui vous comprenez, ramakamna lobaka, ne bien. Donc vous comprenez, raté par mususu naïb, ça rabino que bah ben monsieur là, monsieur là dédié là bah initié, ne pas comprenez. Donc ngai naïba qui déjà que chef de l'État à cause de la matanga, il y a oncle naïb paternel. Papa Lekinaye, le notable Marcelo Chilombo. Naye Baki. Parce qu'on attendait que le programme Yamatanga ne la voyait pas malamoko programme ya président de la République qui a goya la matanga. Tina on flashé bino makolé dans Nzela. Tina on flashé bino qui a assez aillé. Bing, on comprend les thèmes de Kamo. Et dans la Marcelo, on se tombe ta carrière pour la initier Kata. Pour Bisso, tu as pas parlé. Na télévision na kolo babouete ke chef en avion azo ko atterrir lelo baloba kangote ezala kate mena lobaka pona ba initier ba comprendre message nanga so za initier bono comprendre ba message nanga so za initier te okotika kaka bongo ekole kaka ndenge wana parce que mingi bagina ba doute avec ba message ba perol wara. Quelqu'un qui a au moins 1 million de caméras, c'est-à-dire, si on a l'émission, la caméra peut être à Péro Loire et les Zouangaï. Donc, Péro Loire a des caméras partout. Mais là, c'est pas une des à répondre. Là, on a mis des commentaires, mais tu n'as pas la vidéo. Regardez. Voilà, Congolais. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que le président Félix Tshisekedi Tshilombo va revenir. Il n'est pas mort. Peut-être qu'il était un peu malade, il va revenir. Je vous le disais tous les jours. Voilà, il est de retour. Regardez, c'est bien écrit ici, le président de la République est de retour à Kinshasa et préside un conseil des ministres restreint. Toi, Pierre Louala, Kangambanga, Fungambanga, Pierre Louala, un menteur. Petit journaliste de merde. Oh, président Félix Tshisekedi Tshilombo, il est mourant. Oh, il est devenu handicapé. Il y a l'autre femme qui parlait. Tshisekedi, il est comme ça, il est... Mais fermez vos bouches. Vous ne connaissez pas, vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez même pas la politique. Moi, j'ai parlé, j'ai défendu. Parce que je sais que vous êtes en train de mentir. Vous mentez. Le président, il est là. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo, il est là. Je pouvais même commencer à l'insulter si j'étais mauvais, si j'étais pas vrai. Hein? Parce que je ne suis pas encore payé hein, pour mon travail, les 200 millions que je demande, 200 millions de dollars que je demande, parce que j'ai travaillé. Et comme je suis encore payé, et comme je ne suis pas encore payé, je pouvais commencer peut-être à le diaboliser. Et voilà, je veux qu'il meure, je veux qu'il... Non. Moi, c'est ma conviction. C'est ma conviction. J'ai aidé le président Félix Tshisekedi Tshilombo qu'il soit réélu hein, pour qu'on continue, pour qu'on puisse développer la République démocratique du Congo ensemble. Et l'argent que je demande, j'ai travaillé pour ça. Et une partie de l'argent, ça va aider à développer le Congo. Particulièrement les Katanga et les Kasaye, aider les enfants congolais par le biais de la fondation Kivu Katanga. Vous êtes là, non, Tshisekedi il est mort, ou Tshisekedi l'on opéra
à cœur ouvert. Vous êtes des menteurs. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo, il est là. Il est à Kinshasa. Pourquoi vous êtes là, vous voulez toujours, toujours souhaiter le mal à un être humain? Parce qu'il n'est pas peut-être de vôtre. Vous voulez toujours voir que les autres puissent souffrir. Il y a d'autres des petits malheureux là, au Katanga, qui passent à insulter le président Kibwe Katanga. Parce que moi, je ne suis pas dans ces histoires-là de vouloir les Katakatanga là. Vous, pour vous, votre indépendance, c'est aller chasser les Kassaïens. Pour vous, votre indépendance, c'est aller tuer les enfants des Kassaïens. C'est ça que vous voulez. Comme un chef de l'État a commis à Kinshasa, avant, il y a. Na matanga ya papa Lekinaye, papa Marcelo Kaniku Chilombo ayambaki nanu président ya Assemblée nationale. Siko yo bino bochaki tembe bolobi non au filmé tomoni yete, tomoni yete. Ah donc nako sabino kaka. Donc nako moi c'est nako sabino kaka. Bon, bato tembe botala Vital Kamerhe na chef de l'État. Regardez. Nous devons rendre grâce à Dieu. J'ai trouvé le président en forme puisqu'il voulait m'enquérir d'abord sur la situation de sa santé ici en tant que président de l'Assemblée nationale. Je voudrais rassurer le peuple congolais que notre chef se porte très bien. Au-delà de cette évidence, le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale ont fait le tour d'horizon des questions d'actualité. De la situation sécuritaire du pays à la vie sociale, rien n'a été oublié. Des pistes de solutions ont été envisagées. En ce qui concerne la sécurité, avec le président de la République, nous avons convenu que c'est lui le garant au terme de l'article 69 de notre Constitution de faire une évaluation régulière de la situation sur le terrain. L'Assemblée nationale en tant qu'autorité budgétaire, le gouvernement en tant qu'institution qui gère la République au quotidien, le président de la République en tant que chef de l'exécutif, les responsables des cours et tribunaux, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, et si léché, on peut inviter les ministres, vice-premier ministre de la Défense, vice-premier ministre de la Justice, vice-premier ministre de l'Économie, vice-premier ministre de l'Intérêt sécuritaire, et affaires coutumières selon le problème à traiter. Parce que le président de la République, tout le monde le sait, il n'a pas lésiné sur les moyens. Il a recruté les hommes, il les a formés. Il les a lotis des équipements pour faire face à cette guerre qu'on nous a imposée. Parce que nous ne sommes pas des ventes à guerre. Nous n'avons jamais traversé la frontière qui nous sépare avec le Rwanda, ni la frontière qui nous sépare avec l'Ouganda. Nous voulons la paix, et la paix sur l'ensemble de la région des Grandes Plaines. Ceci dit, le président voudrait une transparence totale dans la gestion et des fonds, non seulement au niveau de l'armée, mais au niveau de toutes les autres institutions. Plus rien ne sera comme avant. Nous avons abordé l'éternel problème de l'inflation et du taux d'échange. La solution à ce problème de l'inflation et de la perte de valeur de notre monnaie réside dans la non-production. Or, nous avons un programme de transformation de notre économie, de la diversification de notre économie, et il est temps que l'on puisse lancer ces programmes et en faire le suivi. Et le président a dit, et il met en garde tous les grossistes qui pratiquent des prix fantaisistes. Ils auront des surprises parce que le contrôle va être rigoureux. Il y aura des brigades économiques. Par la même occasion, le président de la République a fait part de sa consternation à la suite du décès du Mwami Kabare. Le chef de l'État a chargé l'honorable Vital Kamerhe à le représenter aux funérailles de ce grand notable du Grand Kivu et présenter ses condoléances à la population de Bukavu.
Après Koyamba Vital Kamerhe, chef de l'État, Asala qui paye les sous-sous, conseil des ministres restreint. Le ministre qui est là, il y a une dizaine. Souka. Il y a un peu de temps, inapte. A komiki dengele, mais makablo sa sali yango wana. Après, ayena matanga. Imaginez. Donc, bota la pe image, ya tout ben au conseil des ministres kaka, donc à miniature, ya ma mouke, et puis après si ben sélection mikolo na moni mokonza mboka a telemeli makametali ba prix économie. Parce que c'est des états sur terrain, bah prix, bilo que ça qu'on mata, mbongo pèse moi en athée, donc moi, bah, moi, m'pia ka izali. Vous avez moi, donc, m'kou zambo kaza, na information, n'de sur le kaba mesure, na gouvernement, pour nan moi, circulation, mbongo ezala, bah, tu vas vivre moi, donc, parce que moi, terrain, eza penza, elengiti. Regardez. Revenu ce mercredi matin dans ce jour médical à Bruxelles, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé à la Cité de l'Union africaine une réunion restreinte du gouvernement. La première ministre Judith Suminwa et une dizaine de ministres sectoriels ont pris part à cette séance de travail. Des questions d'ordre sécuritaire dans l'est du pays, la situation socio-économique et humanitaire ont été abordées au cours de ce conseil restreint. Le chef de l'État a donné des orientations claires et précises dans différents domaines pour des actions concrètes. Comme annoncé d'ailleurs aujourd'hui après son arrivée de Belgique, le président de la République, conformément à l'article 48 alinéa 3 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République, le Premier ministre ainsi que le membre du gouvernement, le président de la République a présidé une réunion restreinte du gouvernement pour statuer essentiellement sur deux points. Le premier point, c'était sa communication, et les deuxièmes points concernaient la prorogation de l'état de siège. Et donc, sur ces deuxièmes points, le Conseil de ministres, donc la réunion restreinte dont les décisions engagent le gouvernement, a adopté le projet d'ordonnance-loi portant prorogation de l'état de siège qui entre en vigueur à partir du 9 août 2024. Le seul et unique point abordé par le président de la République dans sa communication concernait les mesures à prendre pour l'amélioration du pouvoir d'achat des Congolais. Vous savez qu'en ce conseil de ministres, le président de la République a eu l'occasion à deux reprises de s'exprimer sur le sujet. Au dernier conseil de ministres, il avait donné l'exemple du prix du pistolet qui a doublé et des instructions fermes ont été données à la première ministre pour qu'elle s'assure qu'au niveau de la commission ECOFIN et reconstruction du gouvernement, que des mesures soient envisagées. Et donc, aujourd'hui, nous avons abordé les premières mesures qui ont été prises au niveau du ministère de l'économie nationale, qui concernent essentiellement les mesures à prendre pour la baisse de prix des denrées de première nécessité. Donc, les denrées principales ont été identifiées, des mesures ont été proposées, notamment en termes des réductions de certains droits et taxes et redevances, mais aussi en termes de tracasserie qu'il peut y avoir, des difficultés des transports. Nous avons eu en 3 heures du temps l'occasion de faire le tour complet des mesures qui sont envisagées. Et les ministres, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, ainsi que le ministre des finances ont été appelés à harmoniser les vues pour qu'au conseil de ministres de vendredi, nous puissions adopter formellement ces mesures qui pourront être annoncées très rapidement dès que le conseil de ministres se terminera. Ici, la volonté du président de la République, c'est que très très rapidement, les Congolais puissent être en mesure de voir les conséquences des mesures qui ont été prises en achetant des denrées qui ont été ciblées à des prix réduits. Voilà l'essentiel de la réunion restreinte du conseil de ministres de ce jour, qui a été présidée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Vous savez, chers internautes, actualité est à dominer dans la déclaration. Oyo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Asalaki depuis Mikili. Nenga lobelaki, makama kone inanga, nenga lobelaki, position y'ancien président, nenga lobelaki,
pour notre frère Martin Fayulu, Nenga Lobela qui Moïse Katumbi. Mais oh, le Zako Beta, et ça, les Kambouya, collaboration, il y a Corneille Nanga, l'ancien président. Et Pessi Moutou Moutou. Et j'ai suivi ce matin, Balobi, Balako Funda, Mokonzamboka. Mokonzamboka a porté ma preuve à la Kisa, que Rambo Yachine a impliqué. Aza de mèche, na Corneille Nanga. Bon, botti que l'on attend, na mekana nuko kozinda, na ta la soupe dans la compétence, ya ko porté chef de l'État plainte. Et puis aya ko démontré, approuvé ma kambo ya lobaki. Na la compétence, ya ko convoqué chef de l'État. Est-ce que ils ont faisable? Bon, ce qu'il attend. Au plan de la matière, as un juriste, rien n'empêche. Abenganga, vous bactez langa maloba, vous bactez langa ba idée. Parce que ce n'est pas que nous avons la émission qui tout ça, tout est bignos. Donc on a toujours des limites. Tout ça, on a besoin d'apprendre davantage. Bah juriste, au bas de la langue, ce qu'il a dit faisable ou pas? Bon, mais regroupez ça en matière. Si pas aujourd'hui, demain, nous allons faire toute une vidéo relative à Maloubawana ou à Mouni Bandekouya, Pepper de Balobi. En tout cas, après, Bakene na Bazouzi, Bafunda, Mokonzamboka a apporté ma preuve pour la Kisa par rapport à la déclaration qui depuis Belgique que l'autorité morale na Bango, Rambo Yachine, a impliqué na Masoula Kone Inanga, que le chef puisse démontrer parce que bengi ba faux bruit ba bengi ba biku une imputation dommageable donc ba kamuza ebele na ba situation wana. En tout cas ba juriste européen na ba la matière avant après que nous luka boko benganga moi une petite vidéo sur ce qui est possible au sali totali ningani to code sa mope na ba émission na biso to souffler de nouveau toujours avec papi Kamwasi. Émission qui toque au Mikolo, actualité Nema Solo. Regardez. Il faut préciser que le président de la République congolais ne peut être mis en accusation que pour des infractions politiques si après la haute trahison, l'outrage au Parlement, l'atteinte à l'honneur ou à la probité morale et pour les délits d'initié. Et même dans ces cas, qu'est-ce qui se passe? Il faut que le Parlement congolais réunis en congrès, c'est-à-dire la chambre haute et la chambre basse, puissent voter à la hauteur ou à la majorité des 2/3 de cette assemblée pour la mise en accusation du président de la République. Il en est de même. Le procureur général près la Cour constitutionnelle peut également engager des poursuites contre le chef de l'État pour des infractions énumérées ci-haut, n'est-ce pas? Mais à une seule condition. Que cette mise en accusation soit autorisée par le Parlement, c'est-à-dire la Chambre haute et la Chambre basse réunies en congrès qui votent à la majorité des 2/3 de cette Assemblée. Le président de la République peut également être poursuivi pour des infractions des droits communs, n'est-ce pas, commises dans l'exercice de ses fonctions, mais au respect de la procédure énuméré tout à l'heure, c'est-à-dire par l'autorisation du Parlement, voyez-vous, qui se réunit en congrès et vote à la majorité des 2/3 de cette Assemblée. Alors, s'agissant des infractions, n'est-ce pas, commises par le président de la République, chef de l'État, en dehors de l'exercice de ses fonctions, ces infractions peuvent être, ne peuvent lui être poursuivies qu'à la fin de son mandat. Et là aussi, il faut préciser qu'il y a une loi qui a été votée, la loi sur les statuts d'anciens présidents de la République, votée sous le régime du président Kabila, qui fait du président de la République quelqu'un qu'on ne peut pas poursuivre pour des infractions commises pendant ou en dehors de l'exercice de ses fonctions. Donc, cette loi protège les anciens présidents de la République contre toutes les infractions possibles qu'ils auraient commises alors qu'ils étaient encore alors qu'ils ont la qualité d'anciens chefs d'État.
Donc voilà ce qu'il faut préciser. Donc la plainte de ces messieurs sera nil et de nil effet. Batu bacha ki tembe balobi no kamwa citoyen biyo. Président sokayaki yo nde o filmé yé. Toyé biyo tebi ba capacité na yo. Mais tout le monde image au sali reportage qui tombe dans cinquantenaire, bah tu vas témoigner, oui, chef Azalaki, mais biso, tout le monde y était. Bota la ici. On a retenu dans Bobsek, il y a oncle, il y a chef de l'État, le notable Marcelo Chilombo Kanikou. Namoni Lisanga Bana Bazalaki ensemble, famille Bazalaki ensemble, amis et connaissances également Bazalaki wana pour nous compatir. Namona qui peut quelques cadres, il va partir politique Bayaki pour nous compatir dans chef de l'État. Famille Chilombo en général. Organisation, discipline. Vraiment, Nasengi, merci à l'organisateur. Organisateur qui m'attend à Wana, Bobsek, il y a papa Marcelo. Nasengi, merci à la famille Mobimba. Pour nous occuper après, Wana, Batmakende qui koumela moi, Maï, quelque part. Bon, on a kende kite. Na yoki incidenté, na yoki makéel été, na yoki koswa naté. En tout cas, merci famille Chilombo, bolakisi vraiment qui vous allez organiser, famille moko soudé et bisopé toyaki na sima ya mokonza mboka premièrement et toyaki pe na sima ya famille donc ba apôtre Jacques Kambala, ba bibi Chimwika, ba Patrick Kapeta donc toyaki Nasima pe ya libota. Toyaki pe nasima ya IDPS parce que papa Marcelo na biographie na ye akota ki pe univers, comment dirais-je, humanité. Mutafuta ki ba humanité na ye Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ndenge ba lobi na biographie. Bazalaki soudé na Sphinx. Bazalaki vraiment mutu na ye. Et puis ce que j'ai aimé, Azalaki intello, Azalaki professeur ya français na Canada. Bota la famille ya mokonza mboka, famille ya batu batangi kelasi, batu ya mayele. Vraiment, o assister na matanga, o zongi stress ezate, o sentir matanga moko vraiment très organisé. Et puis, des fois, na bombe la binoté, na bombe la binoté. Boyo ka likambo. À chaque fois que nous avons filmé président, et que nous avons une activité, il y a président de la République. Tous dans la canaba stress, il y a un sacanati. Pour la sécurité, il y a un checker la caméra, il y a un peu de poche, il y a un peu de côté, il y a un peu de. Donc, on a filmé, on a un soldat, on a un soldat, on a un sécurité, on a un peu stressé. Na ndenge ya kosakanate. Na bombe la bino titoka trop stressé. Mba mso mouni ozo ki bateri moko tiawa. Owe ka li bongo mwono be bol mwono be to pou pou. Soda. Azo kala suki eloko eza eza arme to eza nini. Donc to daka trop stressé. Pokuna erreur kaka mouke. Erreur kaka, je vous dis, erreur kaka ya mouke. Ok. Erreur kaka ya mouke oki. Mais en tout cas, lobby batika ki to sala moussala calmement ba ki ko avertir biso. Ba lobi chef avant l'anzila. Bo travaye boye, 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 boye. So ki a komi, bo sala boye, boye, boye. Donc, lobby vraiment la garde républicaine ba sala ki modéré. Batika kito sala musala bien to zaki stressé taka ba misu donc misu misu donc mais to ki stressé to sala ki musala calmement. Voilà chers internautes,
Dans une information, on peut savoir qu'il y a disparition de Soussou, mais voilà la famille Chilomboté, ils allaient artistes et comédiens Delta Force. Tout ça, dans ma tanga, il y a moi aussi artistes et comédiens Moussoussou, quand ils allaient dans la morgue, ou bien dans la Fabrigas. Delta Force, à coup final, dans les vidéos, il y a mon colobi, quand il y a les solos qui sont empoisonnés, à l'élu en pleine émission, na yebite eske kaka poison wana to abeli maladie mususu balobi asala ki crise Delta Force, un grand artiste pétri de talent na sepela na epe mingi yebi ko se ki sa joue très bien mais atiki biso to ko luka ba information hein donc tala kaka donc faut pas savoir ba information nyonso surtout aussi ba détail to ko manquete to le cas to informer si faut ko sala ba vidéo to ko sala ba vidéo pour vous la servir, l'information et la terminauté parce que l'information est sacrée. Voilà. Chers internautes, tout ça, j'ai dit, l'autre sur la Mingi, la deuxième émission, mais ils ont juste moi, ben, élément pour la prouver, bino, le sous-soukaka, que mon Mokonzi Azali, mon Mokonzi Ayaki, pour Mingi, voilà, on dit mati. C'est la fin de vous-même. Nous avons obligé de vous dire, mais nous avons besoin d'information que nous avons Azali, santé Mouzouri Sana, Azali bien. Je crois que Botali Vital Kamere a confirmé que à celui-là, Mokonzi, le chef va très bien. Merci. Nous avons R Moko, en tout cas R Moko. Deuxième émission, Isalandzela. Merci beaucoup. Mukonza zongi basambwe, mukonza zongi, bandogi basambwe, mukonza zongi mboka, banguna basambwe.